Je pense que ça, là, ce moment vient de changer ma vie. Ouais. Genre vraiment. Je me présente, Julien, qui a 30 ans, qui n'a jamais abordé de sa vie. Ça me fait paniquer là de venir te parler. Là, j'ai perdu mes moyens forts. Arrêter un cheval et sa gendarmette. C'est beau ça. On fait un Shifumi. Si je gagne, j'ai ton numéro. Et là, il y a le check, mes contacts. Oh là là. J'ai craché sur ma main. C'est terrible, je le savais. Gaffe, putain. Je le promets, c'est la dernière fois. Mickey Mouse, you know Mickey Mouse? Tu prends le numéro, tac tac. C'est trop bizarre. C'est un truc de ouf. Personne ne fera jamais dans sa vie. Bien sûr. On avorte la mission. Attends. Faites-le. Arrêtez de flipper. C'est un ami ou... Ouais, une amie. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous présente Julien, qui a 30 ans, qui n'a jamais abordé de sa vie, qui va le faire sous vos yeux. Alors, comment vas-tu? Tu nous viens de région parisienne. Hein? Exactement, c'est ça. Alors, il m'a confié qu'il était un petit peu stressé. Juste un tout petit peu. Est-ce que tu sais jusqu'à maintenant, donc 30 ans, moi je l'ai fait pour la première fois de ma vie à 35 ans. D'accord. Qu'est-ce qui, jusqu'à maintenant, tu penses, était ton principal frein? La peur de se prendre un rejet, un bâche. Peut-être les gens aussi aux alentours qui regardent et je sais pas, qui viennent s'en mêler. Parce que tu m'as confié que tu étais plutôt à l'aise avec tes amis, avec tes proches, t'es sociable, oui. Y a pas de soucis pour. Ouais. Dans l'ensemble, je suis pas quelqu'un de timide. Mais une inconnue qui te plaît, là c'est autre chose. Ouais, carrément. Est-ce qu'il y a eu des fois, des moments, je sais pas s'il y a des anecdotes où. Il y a eu des occasions où tu t'es dit, putain, elle m'a regardé, je pense que c'est bon, faut que j'y aille, faut que je prenne porte mes couilles. Et... Ouais, bien sûr, ça m'est arrivé, je prenais un verre avec des amis dans un bar, une très jolie brune au bar, on échange quelques regards. Donc la barmaid ou elle était au bar? Une cliente, d'accord. Ouais, une nana avec sa copine, et puis je l'ai regardée de loin jusqu'à ce qu'elle s'en aille, et puis bah voilà, c'est tout. Tu la vas partir? Je l'ai regardée partir, ouais. C'est peut-être tout. Que c'était la mère de tes enfants. Peut-être bien. Ça ne sera jamais en fait. La femme de ma vie. Je regarde souvent tes vidéos et quand je vois qu'il y a des gens bien plus timides que moi qui le font, qui y arrivent, je me dis pourquoi pas moi. Donc voilà, c'est le moment, je pense. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, toi, tu ne penses pas être timide sauf avec une inconnue. Dans ce contexte-là, ouais, d'aller la voir et de lui dire qu'elle me plaît, d'essayer d'avoir son numéro, ouais, c'est autre chose. Très bien. Bah, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc si vous voulez l'encourager, gros pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour voir d'autres candidats passer. Si vous voulez candidater, comme Julien, vous pouvez envoyer votre candidature. Si vous voulez un coaching qui n'est pas filmé, si vous ne voulez pas passer sur YouTube pour vous débloquer, vous pouvez également me contacter. Et sur ce, bah, bonne chance à toi, courage, c'est parti, bon visionnage. Ok, bon, est-ce qu'on va attendre les Jeux Olympiques Paris 2024 pour passer à l'action? Je ne suis pas sûr. Non. Non, je ne pense pas. C'est aujourd'hui. C'est right now. Mm-hmm. Ok. Je parle un peu anglais. Nos Jeux Olympiques, c'est maintenant. Donc, t'as 30 ans, quelle est ta fourchette d'âge? Je demande souvent ça. On va dire, tant qu'elle n'a pas l'air trop jeune, j'irai. Entre 24 et 36 ans. 24, voilà. 36 ans. Pour voir large. Et t'es quoi? T'es plutôt style. Tu es ouvert? J'ai pas de style particulier. Faut qu'elle te plaise. Exactement, faut qu'elle ait du charme. Est-ce que t'as une phrase en tête? Est-ce que tu vas essayer d'improviser? Tu te dis juste, tu veux le faire et tu verras bien ce qui se passe. Rien du tout. Je pense que je vais essayer de miser un petit peu sur. Je sais pas, peut-être sur l'humour. On sent là, il y a une petite rougeur là qui monte et tout. Ouais, on sent l'impression, mais c'est bien. Parce que des fois, il y a des candidats qui passent, ils n'ont pas de pression. Et c'est eux, ils veulent voir. La petite montée d'adrénaline. Là, ça va ton rythme cardiaque ou ça va? Non, ça c'est va, très très bien. Très très bien. Oui. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ranger la caméra, on va se balader. D'accord. Moi, pour l'instant, je te mets pas la pression ou quoi. On se balade. Si tu sens une inspiration. Une fille là qui te plaît ou quoi? Je fonce. T'y vas, te prends pas la tête, t'y vas. L'important c'est d'y aller, on s'en fout. Le numéro, pas numéro, machin, on s'en tape. Très tu bien. Vois, moi j'observe, je te dirai tout de suite ce qui est bien, ce que tu, dans quelle direction on va aller, quel type de séducteur tu es et que tu vas devenir avec l'expérience. Et c'est parti. Et souvent ça se passe beaucoup mieux que ce qu'on imagine. Parfait, je te fais confiance. On va faire un clap, hein. Tant que le sourire est là, gentleman, bienveillance. Ça ira. Purée. Mais moi, je suis impressionné. Pour les... On avorte la mission. Attends. Je suis pas bien, là. On a fait ça parce que là je suis allé en casse-pipe parce que là, honnêtement, elle marche très, très vite. Ici, là, si tu l'abordes là, c'est dead. Ouais, j'allais pas l'aborder là. Ah, d'accord. J'attendais même le passage piéton et tout, je sais que c'est pas un grand truc. Si tu veux y aller, tu y vas. Ok. Pas là. Juste après, quand c'est plus là. Voilà, tranquille. Oh non, okay. Du coup, ça okay. Non, finalement, on reprend la mission. Je suis pas bien. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, vous avez deux petites secondes? Non. Mais c'est bien, c'est bien. Bon, j'ai tenté. Parce qu'en même temps, elle était mignonne. Franchement, elle était vraiment très jolie. Très classe, très jolie, tout. Pressée.
et le coup de demander est-ce que tu as ce que tu as demandé. Est-ce que tu aurais 2 minutes Juste ou est-ce à 2 secondes, ouais, 2 minutes. Il faut pas demander. D'accord. Si tu dis 2 secondes, tu sais pas, est-ce que tu as 2 minutes, c'est 2 secondes. D'accord. Ça dure juste 2 secondes, très rapidement. Mais ça compte pas vraiment parce qu'au final, tu n'as même pas eu le temps de. Tu vois, peut-être que là, elle se dit, ouais, peut-être qu'il voulait un renseignement, savoir où se trouve le métro ou quoi. Niveau difficulté, c'était difficile pour une première fois. C'est pour ça que je voulais avorter la mission en disant, attends, on va faire plus simple. Une fille qui marche lentement, okay, dans un passage où il y a moins de monde, parce que là, c'était un peu serré, mais c'est bien parce que tu as la présence d'esprit d'attendre. Donc on va dire que ça compte pas. Ok. Mais c'est bien parce que t'as eu quand même une petite entraînée avant d'y aller, tu vois. Le fait d'y aller. Bien sûr. Ouais, voilà. Bonjour. 2 petites secondes. Oui. On vient de se croiser là. Ah oui. Et je suis un petit peu stressé, c'est la première fois que je fais ça. Ouais. Je t'ai trouvé super jolie. Ah, c'est gentil. Voilà, j'avais envie de venir te parler. Ok, d'accord, ça marche. Merci, beaucoup de gratitude. Il n'y a pas de souci. Merci. Je te souhaite une excellente fin de journée. Merci, ciao. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, je suis au téléphone. Je te dérange? Oui, je suis au téléphone. Ça marche? Tu veux pas raccrocher? Non. Bonne journée. Ça marche, merci, toi aussi. Bon. Attends là. Bah c'est bien, au moins là t'es parti là. Bah là ça y est, hein. On y va là. Ah ouais, non mais t'es pas prêt là pour la deuxième. Pour la deuxième. Très bien, la première, très là. Enfin ouais. Donc là, tu l'as arrêté. Alors t'as vu, c'était un petit peu bizarre. Tu savais pas si tu devais continuer ta route ou pas. Parce qu'au moment où t'allais l'aborder, elle s'est arrêtée, elle a regardé. T'as fait ça, est-ce que j'y vais? Donc le mouvement ça a fait un petit peu bizarre, mais c'est pas grave. Au final, elle était pas pressée. T'étais plutôt naturelle, tu as dit la vérité. T'as dit ouais, c'est la première fois que je fais ça. Elle, tu la sentais comment dans son regard? C'était plutôt agréable. Ouais. C'était plutôt agréable. Je m'attendais à être rejeté. Ouais. Et en réalité, petit sourire. Elle l'a plutôt bien pris, donc c'était un échange agréable, même si ça n'a pas été concluant. Ben voilà, après, c'est ce que je dis tout le temps, donc on ne sait jamais à l'avance, est-ce qu'elle est en couple, est-ce qu'elle est célibataire. Donc là, au moins, tu repars sans regret, parce que là, en plus, elle t'a dit, t'inquiète pas, c'est pas du mytho, de toute façon, elle était tellement belle, elle était magnifique. Elle était très jolie. Oh là là. Et très bien, parce que là, tout de suite, ah, ça j'aime bien, je donne un conseil, et tout de suite, tu corriges le tir. La première, t'as dit quoi? T'as dit, est-ce que tu aurais 2 minutes, je sais pas quoi, ou est-ce que tu aurais 2 secondes? Elle dit non, maintenant j'ai pas le temps. Et là, t'as dit juste 2 secondes. Oui, là je me suis imposé. Je 2 secondes, tu vois. Oui. Donc c'est très bien, voilà, reste sur ça. D'accord. Donc, c'est très bien. Excuse-moi. 2 minutes. Je viens de te croiser là. Et je t'ai trouvé super mignonne. Je voulais venir te le dire. Tu vas bien? Ouais, moi c'est Julien, enchanté. Moi je vais rejoindre des amis aussi. En réalité, je suis déjà en retard. Alors ça craint, je leur dirai pas que c'était pour te parler si je suis en retard. Est-ce que ça te dirait qu'on continue cette discussion autour d'un verre, un de ces quatre? Je reste pas sur Paris, moi j'habite pas sur Paris. Moi non plus je suis pas de Paris. Ça nous fait déjà un point commun. C'est incroyable. Ouais c'est cool. Donc je sais pas hein, si ça te tente. Non mais tu peux prendre Insta si tu veux. Ah, alors tu vas peut-être me prendre pour un boomer ou je sais pas quoi, mais j'utilise pas les réseaux sociaux. Genre si t'as un WhatsApp à la limite, je te donne mon contact et si tu veux tu m'envoies un message ou on fait l'inverse. C'est quoi je te propose en plus? On fait un Shifumi. Si je gagne, j'ai ton numéro. Et si je perds, on fait l'inverse, t'as mon numéro. Ça te convient? Ouais. Vas-y. Vas-y. En une manche? En une manche. Shifumi. Je te passe mon numéro. Ouais. 07. Attends. Tu vas beaucoup trop vite pour moi. Carte SIM. Vas-y, je t'écoute. 07. L'accent du sud un peu, non? C'est parce que quand je suis stressé, peut-être que je parle un petit peu avec l'accent du sud. Un peu tout bizarre, ouais. 07, tu m'as dit? Ok, mais tu viens d'où? Je viens du sud. Mais tu viens d'où du sud? Du Gers. D'accord, et t'es de quelle origine? Du Gers, je viens de Madagascar. Ok, d'accord. Ce petit teint, allez. Ça marche. Bah vas-y, tu sais quoi, je te laisse rejoindre ta copine. Je te souhaite une bonne fin de journée. En tout cas, c'était cool de te croiser. Ciao, ciao. Trop cool. Trop cool. On va être trop stylé. Ah, ça s'est super bien passé. Ouais, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi simple, en vrai. En plus, je précise, là, c'est vraiment... Toi, tu l'as vu, nous, on est en train de discuter. Et il a fait, les gars, j'y vais là. Tac. Et on avait rien vu. Et hop, donc ça venait du cœur, c'est toi-même. Ça venait du cœur. Elle avait un très joli visage. J'ai vu même dès le début, t'étais très souriante, t'étais bien sur elle, parce que souvent,
Des fois, on a des quand on est débutant, on a du mal à regarder la fille dans les yeux. On est là, salut, ouais, comme ça. Toi, tu la regardais bien dans les yeux, t'étais bien souriant, la bonne énergie, t'étais posé, t'étais contrôlé. Ouais. Et le coup du chifoumi, c'est très, c'est bien top. Ça. Ah, ouais. Alors, on l'a pas vu parce que je pense que c'était pas cadré. Mais toi, t'as fait pierre, elle a fait ciseau. Exactement, exactement. Donc du coup, j'ai gagné son numéro. Parce qu'en fait, au moment où elle me propose Insta, j'utilise pas les réseaux, et je lui propose mon numéro, et je me rends compte que si je lui donne mon numéro, il y a de fortes chances pour qu'elle ne me recontacte pas. Donc je me dis, ah, il faut que j'essaie d'avoir son numéro. Ouais. Au début, je pense qu'elle était un petit peu sur la réserve, et puis elle s'est détendue, je pense, autant que moi. Mais tu vois aussi, parce qu'il y a eu un truc qui était un petit peu bizarre, c'est qu'elle te dit, mais moi je suis pas de Paris. Et toi, tu dis, bah moi non plus je suis pas de Paris, ça nous fait un point commun. Ouais. C'est pas bien ça ? Oui, mais t'as pas cherché à ça. Et donc tu viens d'où ? Si, je lui ai posé ensuite la question. Longtemps après. Très longtemps après. Okay. À la fin. Ouais, t'avais déjà pris son numéro. C'est vrai. Et c'est justement, c'est avant. Parce que ça veut dire que là, tu lui montres qu'en fait, tu cherches pas forcément à t'intéresser. Tu dis, ah, t'es pas ici ? Ouais, d'accord. Pas de problème. Sous-entendu, de toute façon, moi, je veux juste du cul et merci, au revoir. Ce qui peut être un objectif. Mais je pense pas que c'était ça que tu voulais montrer. Mais en tout cas, de son côté à elle, le fait qu'elle dise, non, mais moi, je suis pas de Paris. Et le gars te pose même pas la question de te dire, bah, ah, donc parce que t'es d'où ? Je pense que ça, c'est une des raisons qui faisait qu'au début, elle faisait un peu de chichi pour donner son numéro. Faut pas que t'aies peur aussi de donner des informations sur toi, okay. Ou creuser un peu plus sur la fille, montrer que tu t'intéresses à elle. En fait, le fait qu'elle m'ait dit qu'elle allait rejoindre une copine, je crois que ça m'a mis un petit peu de pression et je me suis dit, faut que j'accélère le pas. Et c'est ça qui m'a fait, je pense, accélérer et lui demander son numéro sans savoir d'où elle venait. Ouais. Mais c'est bien, en tout cas, bref, dans ton attitude, dans ton corps, dans ton regard, même dans ton visage, t'étais bien sur elle, t'es bien souriant, et ça, c'est super important. Donc je pense que là, tu as marqué pas mal de points avec ça. Et très bien, donc on continue, tu vois, tranquille. Ouais. Tranquille, donc là, ça fait quoi, là, de se dire, une fille, tu te trouves super jolie, attirante. Tu te retournes, tu portes tes couilles, tu te retournes, là, hop, et là, t'as son contact. Je pense que ça, là, ce moment vient de changer ma vie. Ouais. Genre vraiment. Ouais, incroyable. Oui. Incroyable. C'est on se dit, putain, enfin, t'as 30 ans, ça va encore. Pourquoi je l'ai pas fait avant? Bah ouais. Quand même. Bah c'est ça, on se dit toujours ça. Carrément. Mais carrément. Parce que là, tu dis toutes les occasions. Mmh. Ah ouais. Et des fois, des occasions 10 fois plus faciles. Parce que là, c'était quand même le grand saut. C'est une inconnue, peut-être que tu n'avais même pas vu. Donc toi, tu arrives de nulle part comme ça. Alors que des fois, il y a une fille, elle te croise du regard, elle te regarde comme ça, 2 secondes. C'est vrai. Là, tu sais que c'est du tout cuit d'y aller. Donc là, tu vois, c'est là, on commence à regretter. Putain, toutes les fois, je ne suis pas allé. Enfin bref, un nouveau départ. Ouais, carrément. Très bien. Carrément. Bonjour, excuse-moi, t'as 2 minutes ? Juste 2 minutes ? Ouais. Je voulais juste te dire que t'étais très 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 jolie. Eh ben c'est très gentil. Voilà. T'es pressée ? Ouais, j'ai un rendez-vous. C'est professionnel ? Non, après. Un rendez-vous pro après ? Ouais, là j'ai un rendez-vous pas professionnel, mais après j'ai un rendez-vous. Ça marche. T'es très jolie, Julien, je trouve que t'as un très beau regard. Tu t'appelles comment ? Enchanté, Julien. T'es du quartier ? Pas du tout. Absolument pas. Ok, c'est pas ? Même pas. Ok. Même pas. À vrai dire, là, je vais rejoindre des amis. D'accord. Je suis super en retard, en plus. Ok. Mais voilà, comme j'avais juste... En vrai, c'est super bizarre de faire ça. Je voulais juste te dire que t'étais très jolie. Eh bien, c'est toujours gentil, ça fait plaisir. Je t'en prie. Je te souhaite une bonne après. Bah, merci beaucoup. Toi aussi. Ciao, ciao. Pourquoi tu vas pas jusqu'au bout? Parce que la Parce qu'elle avait une bague, mais t'en sais rien. Et alors? Bah, demande. C'est vrai, mais elle est partie. Au pire, tu le dis. Tu dis, ah... Oui, mais là, j'ai fait 4 culottes, là. Très jolie bague. En vrai, là, j'ai perdu mes moyens, vraiment. Là, j'ai perdu mes moyens fort. T'as anticipé l'échec. T'as anticipé le non. C'est-à-dire, tu t'es dit, autant pas demander, c'est mort d'avance. Parce que tu sentais qu'elle a dit, ah, c'est gentil, qu'elle commence à se détourner de toi. Exact. Plus le coup de la bague. Exact. Tu t'es dit, comme au poker, tu t'es dit, bon, là, les probabilités du recalage est de 90-95%, autant pas tenter. Mm-hmm. Mais c'est dommage, parce que là, la souffrance, la douleur, du regret de ne pas avoir tenté, il est pire. C'est terrible. Que de se prendre le nom tout de suite. C'est terrible. Parce que là, au pire, regarde, t'aurais dit quoi? T'aurais te proposé, même sans parler de la bague. T'aurais dit, écoute, mais ce que je te propose, c'est pourquoi pas rester en contact. Je sais que c'est. Bref, mais comme ça, au moins, on peut commencer une conversation plus tard et voir si le feeling passe. Au pire, elle t'aurait dit, ah, c'est très gentil, mais je suis fiancé ou je suis marié ou je sais pas quoi. Et là, t'aurais dit quoi? T'aurais dit, ah, bah, tant mieux pour toi. Bon, bah, j'espère que ça se passe bien. Bah, écoute, profite de ta journée. À bientôt, au revoir. Au pire, c'est ce qui se serait passé en fait. Et elle t'aurait dit, elle t'aurait renvoyé la balle avec une bonne énergie. Merci, bah toi aussi, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir et ça m'a touché. Merci, au revoir. Elle t'aurait dit ça. Tu vois? Ok, faut que j'aille au bout. Faut que j'aille au bout. Alors que là, ça fait bizarre. Même elle, peut-être qu'elle va pas comprendre. Elle va dire, mais attends, mais pourquoi il est pas allé jusqu'au bout? Ouais. Enfin. Pourquoi m'a partenu? Je fais de la gueule. Pourquoi m'a partenu? J'ai des rides. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est venu finalement
de près, il s'est dit ah bah elle est moins belle que ce qu'il a imaginé. On oublie, bon, ça c'est juste dommage. Mais par derrière. Ouais bah ouais. Bah oui. Excuse-moi, bah, oui. Bonjour, je sais plus ce que t'as dit. À 3 mètres derrière elle, 2 mètres derrière elle. Après, peut-être il y a eu un peu de trop très. Parce que je crois que tu l'as dit 3 ou 4 fois. Très 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 jolie. Ok. Mais elle était très 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 très. Ouais. Mais ça va, mais ça va. T'as, okay. T'as pas dit ah t'étais très 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 jolie. Tu vois, tu l'as fait quand même en mode tu te positionnes au moins au même niveau, donc ça va. Donc si jamais ça arrive à nouveau, même si dans ta tête tu dis bon c'est mort, parce qu'elle était souriante, elle, oui. elle était comme ça, oublie la bague, on s'en fout. Il y a des filles, elles ont une bague juste pour pas qu'on leur casse les couilles. C'est vrai, exact. Tu vois ? C'est vrai, j'en connais en plus qui font ça. Et voilà. D'accord, c'est la dernière fois que je vais pas jusqu'au bout. Très bien. C'est la dernière fois. C'est vrai ? Je le promets, c'est la dernière fois. C'est enregistré, hein. Allez. Bonjour. Tu veux pas me parler? Ouais. Ça va? Ça va et toi? On vient de se croiser là. Je sais pas si t'as fait attention. Non. Et je panique à mort. Je voulais juste te dire que t'étais super jolie. Ok, merci beaucoup. C'est tout? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Julien, enchanté. Enchanté? Non, je suis pas envie, mais. D'accord, ok. Ça marche, y'a pas de soucis? Tu vis sur Paris? Ouais. D'accord, ok. Absolument pas, je vais rejoindre des amis. J'habite en Seine-et-Marne. Ouais, moi je crois que tu es dans une autre ville. Non, pas du tout, pas du tout. T'as l'air, je sais pas, c'est un peu, enfin, t'es pas habitué là, ou t'es pas à l'aise? Ah si, ça va, si, non, tranquille. Moi je suis pas à l'aise, hein. Oui, moi je suis pas à l'aise du tout. Déjà bravo, parce que je me dis putain pour avoir le courage. Ouais, de ouf, hein. Est-ce que c'est facile, hein. Du courage ou de la folie, je ne sais pas. Tu tentes, t'as raison. Tu t'es pressé? Là, j'ai vraiment pas le temps, mais par contre, vas-y pour boire un verre. T'es ok? Ouais. Bah, ça me va. Ok, carrément. C'est cool. Est-ce que je te donne mon téléphone? Tu tapes ton numéro? Je te donne le numéro directement. Tu m'envoies un message. Vas-y, carrément. Tu te rappelles de mon prénom? Julien. Oui, ça va. Bien joué. 06. Enchanté. Enchanté. Bah écoute, je ne te retiens pas plus longtemps. Alors, je te souhaite une très bonne fin de journée. Bah, toi aussi. Puis, alors à bientôt. Je t'envoie un petit message. Ok, ça marche. Ciao, ciao. Oh là là, c'est bon ça. C'est bon, c'est écoute, bon. Je l'ai pas senti, hein. Au début, c'était, je sais pas, il y avait un truc dans son regard en mode non, non, non. Elle a refusé que je lui serre la main. J'ai voulu la check demain. Elle m'a dit non, je suis dans mes pensées. Et au final, t'as carrément dit ouais, mais écoute, pour un verre. Ouais, bien sûr. Mais semaine prochaine. C'est bien, c'est bien. Merci. Comment tu te sens? Là, ça m'a fait paniquer. C'était parfait là quand t'as dit. Moi je panique. Parce qu'au début, c'est pas forcément le truc le plus malin de dire mais ça va, t'es pas gêné, t'es pas machin, t'as l'habitude, machin. C'est pas le genre de terrain sur lequel mettre les pieds. Par contre, tu te rattrapes bien derrière en disant parce que moi je panique pour le coup. Et donc là c'est bon, ça me fout. Tu vois, elle dit ah. Et elle dit ah non, mais c'est courageux, c'est très bien ce que tu fais, voilà. Et là, elle a kiffé la sincérité. Ouais. Juste attention à pas avoir la voix qui monte trop dans les aigus en fin de phrase ouais. Quand tu poses des questions. Okay. Parce que ça t'enlève un peu de masculinité, de virilité. Bah merci beaucoup. Tu vis sur Paris? Vas-y, carrément. Tu vois, comme quoi? Là, tu viens de dire, je le sentais pas, et finalement, tu te dis, vas-y, viens à la semaine prochaine. Bien sûr, mais c'est ça qui m'a déstabilisé en fin de compte. Parce que, je sais pas, elle m'envoyait des signaux genre vraiment négatifs, et au final, elle me propose le numéro d'elle-même. C'est important de se montrer, on va dire, position de vulnérabilité. T'as été transparent sur tes peurs. Je panique, j'ai peur, j'ai pas l'habitude, je. Comme ça. Et ça l'a touché, elle a donné confiance en toi. Et c'est bien, carrément, elle dit, bah écoute, vas-y, prends mon numéro. Mm-hmm. Ouais, pourquoi pas un verre, ouais, semaine prochaine, très bien. Avant d'y aller. Encore moins serein que si elle n'était pas sur son cheval. Vas-y, showtime. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, je peux vous poser une question? Oui. Oui. Imaginons que j'essaie d'aborder une gendarme sur un cheval. Comment je dois m'y prendre? Quoi? Attends. Je suis pas sûr, hein. Pardon? Safari? Non, Savary. Savary? Du coup, j'ai un gros doute là. Vous êtes sûr? Du coup, ça me met dans le temps. Je me dis, ça se trouve, je me trompe. Mais oui, mais je vous le dis, vous vous trompez. Ouais. On se connaît pas? Ouais. Non, mais je vous demandais comment je dois faire pour arrêter un cheval et sa gendarmette, voilà, pour lui dire bonjour. Non, mais je ne vous connais pas. Non, on se connaît pas. Absolument pas. Ah, d'accord. Du coup, je voulais venir vous dire bonjour. Ah, d'accord. Mais ben, bonjour.
Je vous ai vu passer et je vous ai trouvé très charmante, voilà, à vrai dire. Voilà la vérité. J'ai pris le risque, j'ai pris le risque. C'est le cas, mon cœur est déjà pris. C'est terrible, c'est terrible. Voilà. Il n'y a pas de souci, je vous souhaite une bonne fin de journée, messieurs, dames. Merci, bonne journée. Au revoir. Incroyable. Bon, son cœur est déjà pris. Ah, elle a dit ça? C'est ce qu'elle a dit. Putain, c'était bien parti là, c'était top. Alors je sais pas ce qu'elle disait, elle te confondait avec un youtubeur. Elle était persuadée de me reconnaître et j'ai insisté, je lui ai dit non, on se connaît pas, je voulais venir vous dire bonjour. Hein. Ah, elle était cool, elle était souriante, ouais, elle avait un bon feeling. Ouais, ouais. Ah, ça aurait été magique là, ouais. Si vous prenez son contact. En plus, elle a pris le temps, elle était avec son collègue, elle est restée 2 minutes comme ça. J'avais peur de la réaction de son collègue, donc je l'ai un petit peu inclus, je lui ai bien dit bonjour, etc. Elle était cool, alors elle, franchement, ouais, elle était cool. J'avais peur qu'elle m'envoie balader, qu'est-ce que vous voulez, monsieur et tout. Non, c'était cool, c'était sympa, c'était marrant là. Bon, bah, quand est-ce que tu crées ta chaîne YouTube C'est comme ça que j'ai commencé, moi. Je préfère venir sur la tienne. Ça me rappelle des vieux souvenirs, il y a 3 ans. Ah là là. Bon, c'est bien. Oh, t'as dit gendarmette. À un moment, t'as dit gendarmette. Ouais, j'ai dit ça. T'imagines, mais réfléchis. Tu viens, ce que tu viens de faire là, c'est pas un truc de ouf? Si, c'est un truc de ouf. Personne ne le fera jamais dans sa vie. Bien sûr. On est quasiment les deux seules personnes en France bien à avoir évidemment. Fait ça. Mais c'est top. C'est un truc de fou. En vrai, c'est top. En fait, il y a grave moyen finalement. Faut pas se mettre de barrière, c'est ça le truc. Il faut pas se mettre de barrière. Moi je suis chaud, là je suis dans un bon mood, c'est parti. Allez go. Salut. Non. Bonjour. On vient de se... Bah écoute, on vient de se croiser. Ouais. Et j'ai trouvé que tu avais de très très jolis yeux. Merci. Je viens de perdre un tympan, attends, excuse-moi. Je trouvais que tu avais de très jolis yeux. Et c'est extrêmement bizarre, j'ai pas l'habitude. C'est la première fois que je fais ça. Je suis un petit peu stressé, mais je me suis dit que ça pouvait être une bonne occasion de venir te voir. Ok. Ouais, pourquoi pas. Moi, c'est Julien, enchanté. Enchanté, moi, c'est... J'habite en Seine-et-Marne, je suis pas très très loin. Ok. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Je retourne bosser. Tu retournes bosser? Bah ouais. T'es en pause, là? Ouais. D'accord, ok. Je suis paniqué, je ne sais plus quoi non, dire. Non, mais c'est, y a un prénom, ça va quoi. T'es de quelle origine? Je suis à Paris, je suis parisienne, vraiment. C'est ça, pas d'origine extérieure, française. Française. Purée, je crois que c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui est comme moi, français. Ah ouais? Incroyable. Bah écoute, il en reste. Hein. Je peux te demander ton âge, c'est un peu indiscret? Bah, je sais pas, tu me donnes quel âge? Tu donnes quel âge? Je dois te flatter ou faut que je sois sincère? Vas-y, t'as 20 ans? Non, non. Bon, ok, là j'ai tenté de te flatter. Quel âge tu pourrais avoir? Tu as une trentaine d'années? Non, je suis pas loin, mais non, j'en ai 28. Tu as 28 ans? Ok, on va faire le jeu inverse alors. J'ai quel âge? Ah merde! Je dirais que tu dois avoir. Waouh, attends. Non, attends, parce que là je suis pas prêt. Je pense que mon cœur va s'arrêter. 30 ans? 30, 32? Faut que tu valides un choix. Je dirais 32. C'est le mauvais choix. 30? Ouais. J'étais pas loin. Mais écoute, je te trouve très sympa. Bah merci, c'est gentil. Est-ce que tu serais tenté d'aller prendre un verre, un de ces quatre ou quelque chose comme si ça? Si tu veux, pourquoi pas. Hein. Ouais, carrément. Ouais. Je prends ton numéro, tu prends le mien, comment on fait? Je te laisse mon numéro. Eh bien écoute, faisons Allez. Ça. Mais tu bosses pas aujourd'hui? Non, absolument pas. À vrai dire, je rejoins des amis. Je suis super en retard. Mais je pense que je vais leur expliquer, ils devront comprendre. Hein. Alors du coup, je t'écoute. 06, ouais. C'est parfait, je t'envoie un petit message. Pas de problème. Et si t'es dispo, on va se prendre un petit verre. Ça marche? Pas de problème. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci, toi aussi. Ciao, ciao. Aïe, aïe, aïe. Pas mal. Très bien. Ouais. Encore le coup de l'âge, oh là là. Mais pourquoi tu vas sur ce terrain-là, en plus en te gourant? Tu me dis 30 piges, elle te dit 28 comme ça. Non, j'ai dit une petite trentaine. Ah, ok, c'est vrai, peut-être. Une petite trentaine. Oui. Bon, t'as la trentaine. Oh, genre, non, mais vu les rides, t'as la trentaine. Oh là là. Autant avoir un coupon de réduction sur une crème anti-rides, hein, là, et tu lui sors dans la foulée, et elle te fait du chiffre d'affaires le soir même. Hein. Mais ça a donné matière, on a pu rigoler. Bon, j'ai eu de la chance, peut-être. Non, mais c'est bien. Après, c'était bien, tu parlais et tout. Comment tu l'as senti, elle et toi? Vraiment réceptive, là, pour le coup. Elle était plutôt gênée. Parce qu'elle n'osait pas me regarder. Je pense que je lui ai fait une bonne impression. Elle a dû passer un bon moment, je pense. Et moi aussi. Tu n'as même pas hésité. Tu as vu les yeux, tu as fait « Ok, moi j'y vais ». Nos regards se sont croisés. Ouais, là. Est-ce que quand tu y vas, tu as peur, là? Non. Et encore un petit tantinine? Alors en fait, j'ai pas peur d'y aller. J'ai pas peur de les aborder.
Maintenant, il y a cette petite angoisse d'arriver, de dire bonjour, et là, ça y est, de bégayer. Donc toujours sur pas savoir quoi dire. Oui. Bonjour. Ça va ? Ça va, nickel, ouais. Je t'ai vu marcher, tu m'as fait traverser la rue, c'était feu rouge, hein. C'est super dangereux ce que tu m'as fait faire. Ouais, ouais, mais t'as rien fait, moi. T'as pris la décision tout seul et pas mal. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle... Qu'est-ce que tu fais de beau, là ? Je rentre chez moi. Ouais. Ouh, de l'air fatigué, là. Ouais, je suis complètement malade, en fait. T'es complètement malade ? Ouais. Et tu m'as check ? J'ai craché sur ma main. C'est terrible, je le savais, c'était tout mouillé, en plus. Qu'est-ce qui t'arrive pour être malade comme ça ? Ouais, bah rien, j'ai une angine. Ouais, ok, d'accord. Tu penses, hein ? Je pense beaucoup, ouais. Ok, ça marche. Tu vis sur Paris, du coup ? Ouais. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Je rejoins des amis, mm-hmm. Je te croise, mm-hmm. Et je traverse pour venir te parler. D'accord. Donc, tu ne travailles pas un mercredi après-midi ? Absolument pas. D'accord. Je travaille dans l'informatique, si tu veux. J'ai bossé ce matin, déjà. D'accord. Tu fais quoi, toi ? Bien, c'est ça. Dans un labo. On est, attends, ça te dérange, je décale un tout petit ouais, peu. Ouais, des pigeons. Donc tu travailles dans un laboratoire. Ok. Qu'est-ce que tu fais dans ce laboratoire? Je dissous des métaux pour voir s'il y a des métaux lourds dedans. D'accord, ok. Super intéressant. Ouais, c'est cool. Je crois que je suis la première personne que je rencontre qui fait ça. C'est fou. Je suis grave gêné. Ouais, bah je te laisse galérer, en fait. J'aime bien. Non, mais donne-moi... D'accord, c'est très bien. Je vais me sauver en courant. Est-ce que ça te dirait qu'on aille prendre un verre, un de ces quatre, ou quelque chose comme ça? Attends, je me prépare. Ouais, mais je suis désolée, en fait. Je t'écoute. Non, je suis désolée. D'accord, bah y a pas de souci. C'est super gentil. T'es très mignonne aussi, c'est pour ça que je suis venue voir. Bah ça marche. Bah je te souhaite une bonne fin de journée, alors. Eh ben, bon après-midi. Merci beaucoup. Bonne drague dans la rue. Oh, c'est terrible, je suis en pleine session, là. T'es la 14e, je crois, aujourd'hui. Ah ouais? Bah écoute, bon courage. T'as combien de numéros, du coup? Non, mais aucun. Qu'est-ce que... Ça fonctionne pas? Tu sais quoi? J'ai pris une résolution il y a quelques jours, parce que je parlais de ça avec des amis. Et figure-toi que je crois que tous mes potes ont déjà abordé une fille. Je devais être le seul à ne jamais l'avoir fait. Ah, et du coup, c'est check. Oui, mais je leur racontais pas, puisque c'est un échec. Bah, tu peux leur dire qu'on a parlé pendant quelques minutes quand même, que j'ai dit que t'étais mignon. C'est pas mal. C'est vrai, tu penses que ça va me rapporter des points, ça? Bah, écoute, j'en sais rien. Toi, t'es très à l'aise pour quelqu'un qui a jamais fait ça? Bah, écoute, j'ai fait du théâtre en étant un petit peu plus jeune, je pense que ça m'aide un petit peu. Mais si tu remarques bien, je pense que mon teint est devenu très rosé, là. Je suis pas si à l'aise que ça. Mais c'est cool, merci. Bah écoute, passe une bonne fin de journée. Salut. Ciao, ciao. C'est vrai que j'avais oublié de te le dire, celle d'avant, parce que c'était passé. Mais c'est maladroit. Moi, je vous déconseille de projeter sur un verre. C'est ce que tu avais dit la dernière avec qui t'as pris le numéro. T'as oui. dit, mais écoute, si ça te dit qu'on aille prendre un verre. Elle t'a dit, ouais, d'accord, ok, ça marche, avec plaisir. Mais ça, c'est super rare. Le mieux, c'est de ne pas projeter tout de suite sur un date. Ok. Le top, c'est de dire, bon, écoute, tu dois y aller, mais écoute, ça fait plaisir de continuer cette discussion plus tard. Si tu veux, on reste en contact, t'as WhatsApp, voilà. Il y a plus de chances que ça passe. Là, t'as demandé le verre, elle a dit non. Mais peut-être que t'aurais dit, écoute, j'ai un bon filet avec toi, si tu veux, on reste en contact, ça marche, de toute façon, je dois filer, je dois y aller. Ouais. Peut-être que t'aurais dit, ouais, d'accord. Alors que là, tu l'as dit tout de suite, est-ce que tu veux me date? C'est maladroit, du coup. Surtout que c'est dommage parce qu'après, t'as marqué des points. Ouais. Mais c'était déjà trop tard parce qu'elle t'avait déjà dit non. Des fois, ça se joue à rien. Là, ça se joue à rien, elle a hésité. On voit qu'elle a hésité, tu vois. Tu peux la projeter par ton regard, ton intention, là, elle était bien sexuée, tu vois. T'étais bien là comme ça. Elle a regardé comme ça, tac, tac, tac. Donc ça, c'est très bien. Mais après, le verbaliser, là, on commence à rentrer dans quelque chose de trop cérébral. D'accord. Le côté cérébral, c'est la pression sociale. Qu'est-ce qu'on va dire si je donne mon numéro à un inconnu dans la rue que je connais pas, ça fait 30 secondes que je le connais, je vais le date, est-ce qu'il va croire que je suis une fille acide, blablabla. Ça c'est côté cérébral et on veut pas arriver sur ce terrain-là. Okay. Donc allège la chose, reste toi animal comme toi, t'as un truc un peu animal comme ça, reste ça, papa, t'enchaînes et tu dis ok, bon, écoute, moi je dois filer, t'as-t-il, hop, moi je dois filer, pim pam. Mais écoute, franchement t'es cool, ça fait plaisir de continuer cette discussion avec toi la prochaine fois. On reste en contact, t'as WhatsApp, ouais, papa, tu fais ça comme ça naturellement. Tu sais, t'allèges le truc. Et elle fait, je sais pas, écoute, de toute façon, moi je vais y aller, écoute. Tu sais, je fais un petit message, et après tu réponds pas. De toute façon, on voit si le feeling passe, y a pas de soucis, hein. T'inquiète, ok, ça marche. Et tu vois, ok, d'accord. Et tu prends le numéro, tac, tac. Et là, tu peux
revenir à la charge, un peu comme tu as fait à la fin. Et sinon, tu fais quoi? Tu fais mais c'est marrant, mais t'as un accent, t'es 100% pas. Et tu gagnes plein de points. Et là, tu solidifies le numéro. Okay. Alors qu'au début, tu l'as eu un peu comme ça de justesse. Mais t'as quand même le contact. Mm-hmm. Ça détend l'atmosphère pour toi et pour elle. Tu peux regagner des points derrière. Parce que c'est clair que quand tu prends un numéro de justesse comme ça, et si pour le coup, tu pars tout de suite, ok, bah au revoir. Voilà, le numéro, il y a peu de chance. Mais tu l'as pris le numéro. Elle s'est détendue, tu t'es détendu. Tu regagnes des points. Tu peux. Là, elle était pas pressée, t'aurais pu rêver. Oui, en plus, l'échange était sympa là, c'est con. Hein. Et voilà, ça c'est bon. Après c'est cette expérience et tout. Bonjour. J'étais sur le trottoir d'en face, je t'ai vu et j'avais envie de venir te dire bonjour. Salut. C'est super étrange de faire ça. Ouais, j'avoue que c'est... Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Ici? Ouais. Il y a un ami qui me rejoint. D'accord, ok. C'est un ami-ami ou... Ouais, une amie. Bonjour. Bonjour. Je disais bonjour à ton ami. Qui était venu sur le trottoir d'en face. Toi, tu fais quoi là? Je rejoins des potes aussi. Je rejoins des potes. Non. Tu viens d'où? Je suis de Seine-et-Marne. Vous connaissez, okay, tu connais. Non, c'est juste à côté. Et je vais pas vous déranger plus longtemps, je vais vous laisser. C'est peut-être un peu chelou du coup de faire ça devant toi, je suis désolé. C'est mon ami, hein. Oui, ami. Ami, ami. Pote. Ami, ami. Ouais, carrément. T'as Instagram? Non, j'ai pas Insta. T'as WhatsApp? Ouais, j'ai WhatsApp. Je te laisse, ensuite tu vas devoir courir après ton copain. Ton ami. T'inquiète. Comment tu t'appelles? Attends, ouais. T'es de quelle origine? Française et polonaise. D'accord, ok. Aucun rapport. Ok, incroyable. Julien, tu sais écrire Julien? Oui, je sais écrire Julien. Ça va, c'est pas trop compliqué jusque-là. Bah, on échange un numéro, ça te tente? Ouais, carrément. Vas-y, carrément. On prend bien 06. Je prends le tien, tu prends le mien? Je prends le mien, tu m'envoies un message. Ok, allez. C'est carré. C'est bon, j'étais Julien. C'est nickel. Bon après-midi. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci, toi aussi. Ciao, ciao. Donc, raconte ta version. Parce que c'est vrai que quand elle a dit ami, c'est mon ami, ami. Après, elle dit ami, ami, mais. Ami, ami. Parce que des fois, il y en a qui disent c'est mon ami. Exact. Pour présenter, c'est sérieux, c'est mon copain, mais ami, ouais. On n'est pas fiancé. C'est le stade en dessous de fiancé. J'ai un doute sur ça. C'est ça. J'attends un ami. Alors, je lui dis ami, ami, ami. Ok. Il arrive et elle me dit c'est mon ami. Mais attends, c'est ton ami ou c'est ton ami? Mais par contre, je sais pas, il a eu une réaction un peu bizarre lui. Hein. Lui elle a proposé l'Instagram et là, elle a fait allez, salut. Ok, ciao. Elle était très jolie. Elle était top. Et vraiment très jolie, ouais. Sympa, très jolie. Ouais, ouais. Toujours ce. Bon, ça c'est vraiment. Là on chipote. Là, oui. Je chipote, mais d'accord. Elle avait les yeux rivés sur son téléphone où elle te regardait pas. Et toi, t'es arrivé, t'as d'abord dit bonjour avant qu'elle te perçoive. Toi, t'es arrivé, t'as fait bonjour, bonjour. Tu vois, donc t'as d'abord parlé avant qu'elle te regarde. Maintenant, regarde ton téléphone. Arrive. Bonjour, c'est 10 fois mieux. Parce que de toi-même, c'est la fille elle-même qui décide d'elle-même à s'enlever là de ses pensées, ses trucs comme ça. Et attends, je sens une présence qui est là, qui me regarde dans ma direction. Elle lève les yeux doucement, délicatement. Et là, elle voit quelqu'un qui est souriant et qui, paf, le bon timing. C'est le timing parfait, t'es dans le rythme. D'accord. En faisant ça, t'es dans le rythme. Hey. Je tente le diable pour venir te parler, j'ai traversé sans regarder. Tu vas bien? Oui, merci. Je risque ma vie encore, c'est fou. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Tu sors du taf là? Oh, pardon, excusez-moi. Le ménage. Tu étais à une expo? Quel genre d'expo? Tu peux aller voir d'ailleurs, juste là, à gauche. C'est très très beau. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je vais rejoindre des amis. Ouais. Je suis pas censé passer par là, hein. Moi je devais partir là. Hein. En fait, bon, ça fait 10 mètres que je t'ai vu. T'as traversé, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Tu vois, est-ce que. Bon, allez, vas-y, je me jette. C'est adorable. Du coup, je vais filer, moi. D'accord, ok. À très vite. Est-ce que ça te dirait qu'on reprenne cette conversation Non, c'est adorable. Ok. Mais c'est très gentil, ça me fait très plaisir. Et n'arrête jamais de faire ça parce que c'est trop cool. De parler à des inconnus? Ouais. Non, vraiment, je te jure, c'est trop bien de le faire. Non, ok. Vraiment. Et bah, tu sais quoi, fais-le aussi alors. Ouais, ok, je le note. J'ai jamais osé le faire, mais tu vois. Juste dire bonjour, c'est cool. Ouais, ça marche. Plaisir. Bah, passe une bonne journée. Salut. Ciao, ciao. C'est bien d'avoir des encouragements comme ça. Hein? Ceux qui disent, ah, mais non, mais les filles. Donc, il y en a qui parlent à leur place. Bah, voilà, là, vous avez. C'est un exemple. Et ça, on entend ça tout le temps. Tout le week-end, on entend ça en coaching. Mais souvent, quand tu rigoles, ton rire, il est très aigu. Ok. Un peu comme ça. Tu réécouteras, tu verras. Mais ça, c'est très long. C'est mon côté féminin. C'est mon côté féminin. Voilà. Salut. English. Yeah, I can speak English. Oh yeah. Yeah, for sure. Oh, you work too speed. I walk really fast. I know.
Are you okay? I'm fine. Okay, my name is Julian. Okay, nice to see you. Nice to see you. You live in Paris? No. No? I live in New York. What do you do? I do consulting. Okay. Are you... sorry for my English. You don't speak French at all? No. Mm-hmm. I know. Mm-hmm. What do you do this afternoon? Or maybe tomorrow? If I propose you to take a drink, maybe, or something like that. I might say yes. Yeah? You say yes? I say yes too, I think. Oh, that was nice of you to ask. Yeah. Can you ask me? No. If I, oh, what? I'm a woman. Okay. You can ask me. Okay. Do you use WhatsApp, maybe? I do. Okay. Can I take your number, maybe? You take my number. Yeah. Do you live in Paris? No. Where do you live? Close to Paris. You know Disney? Disneyland Paris? Disney. Snail? Disney. No. Like with Mickey. Mickey Mouse. You know Mickey Mouse? Yeah. Okay. Disney. Disney. Okay, yeah. Sorry for my accent. I know Disney. Okay. I just live close to Disney. Okay. I don't. So, I take your number? Okay. Okay. What are you doing? I'm trying. You check my contact? No, I'm not. What? I don't. You think I know how to work? I think I know how to read your messages. Mm-hmm. We're not married, so you don't need to do that. There you go. Do you prefer maybe red wine? Red wine. It's okay. I remember. See you. Très bien. C'est dur en anglais, hein. Je baragouine. En fait, je lui tends mon téléphone, j'ouvre la page contact pour qu'elle s'enregistre, et en fait, je vois qu'elle fait machine arrière, et là, elle check mes contacts. Pour voir si tu parles pas avec ouais. Paul Neuf. Oh là là. Incroyable. En vrai, nickel, je pense que si elle avait parlé un petit peu français, ça aurait été encore, encore mieux. Alors, soit j'ai pas entendu, mais est-ce que tu lui as posé la question, où est-ce qu'elle vit, parce que est-ce qu'elle est dans Paris, et quand est-ce qu'elle repart? Je n'ai absolument rien compris. Pas demandé, mais t'as pas compris? Ouais. Ok. You live in Paris. Et pareil, elle n'a pas compris Disneyland. Mon anglais n'est pas assez élaboré pour que je puisse vraiment communiquer et être drôle et tout ça. Bon, elle a rigolé, mais ça a suffi. Évidemment, ouais. Salut. Ça va? Oui, ça va. Bah écoute, on vient de se croiser. En fait, t'as vu ça? Non, mais je savais pas si je t'avais déjà vu quelque part ou pas. En fait, j'ai pas du tout. Ok, c'est la première fois qu'on se voit. Oui, c'est la première fois. Oui. Enchanté, moi c'est Julien. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais? Oui, je sais pas. Non, en fait, je sais pas. J'ai bugué. Je bug aussi en vrai. Ça me fait paniquer là de venir te parler. Hein, non, non, non. Tu vis sur Paris? Oui, j'habite à Paris. Oui. Ouais, ok. Tu fais quoi là? Je me balade. Tu te balades? Je rejoins des amis, ouais. Je rejoins des amis aussi. Ok, d'accord. Je crois que t'étais avec des amis. Non? On s'est croisés seul là? Ah d'accord, je pensais que c'était... Je sais pas, j'ai... Non, non, bah attends. Je me fais des amis à tout moment, tu vois, regarde. Ça marche comme ça. Ouais. Tu fais quoi dans la vie? Voilà. Ok, ne me dis pas. On peut faire connaissance ici en pleine rue. Là. D'accord, ok. Regarde, on peut faire connaissance devant Histoire d'Or si tu préfères. Ouais. Écoute, de toute façon, moi je dois y aller. Ouais. D'accord, je vais rejoindre mes amis aussi. Okay. Est-ce que tu veux qu'on reprenne cette discussion un petit peu plus tard, un autre moment? Je suis hyper gênée là. Mais moi aussi je suis gênée, si on est tous les deux gênés, comment on fait? En plein de la... Oui, oui, peu importe, papa. Je te laisse le choix, ouais, personne ne te parle. Ça te va? Ouais. Alors, comment fait-on? Comment procède-t-on? Est-ce que je sais pas. Je prends ton numéro, tu prends mon numéro? Est-ce qu'on règle ça avec un Shifumi? Non, vas-y, je vais donner mon numéro. Je donne le vrai. Hein. Attends, parce que t'as un faux numéro non, aussi? Non, parce que là, qui donne des faux numéros aussi. Ok, alors vas-y, 06. On dirait le numéro du Père Noël, mais je vais te faire confiance. Oui, tu veux faire confiance. Est-ce que tu te souviens de mon prénom? C'est terrible. Tu me l'as pas donné? Pardon? Tu me l'as pas donné. Alors, je m'appelle, pour la deuxième fois, retiens-le cette fois-ci, ouais. Julien. Julien, ok, c'est bon. Bah écoute, vas-y, je te retiens pas, parce que tu es pressé. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci, toi aussi. Je t'envoie un petit message? Ok, ça marche. Là, je... Ok. C'est comme ça. J'allais dire, on check. Ah, check. Ciao, ciao. Bon bah bien, le petit on reste en contact, on continue cette discussion plus tard, machin, tu vois. Là je pense que le verre il serait pas passé. Ouais, ah oui. Tu vois, là typiquement je pense que si tu l'avais projeté sur ça te dit qu'on allait prendre un verre,
Ça aurait pas marché, je pense. Elle était gênée. Elle était gênée. Ouais, elle était gênée. Parce qu'elle a pas l'habitude aussi de donner son contact comme ça, donc c'est bien. Mm-hmm. Elle fait aussi quelque chose d'exceptionnel. Bien sûr. Donc la prestation a été peut-être exceptionnelle. Ah. En tout cas pour elle. Donc c'est bien. Bonjour. Ouais, ça va? Je viens de te voir sortir en fait. Et j'ai fait demi-tour pour venir te dire bonjour, c'est tout. Bah. Je suis gêné de faire ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air aussi gêné que moi, alors ça me rassure vraiment. Tu vas bien? Bah oui. Ok, ça va. Tu as trouvé ton bonheur, non, apparemment? Oui. C'est vrai? Je me suis dit, est-ce que j'y vais? Elle vient de sortir de la boutique, c'est peut-être un peu délicat. Terrible. Moi, c'est Julien. Enchanté. De même. Tu vis sur Paris? Ok. Ok, tu sais quoi? Regarde, on l'a refait. Bonjour. Non? C'est trop tard. Mais moi, je dois y aller. Ok, y a pas de souci. Bah écoute, c'est dommage parce que là, effectivement, moi, je dois rejoindre des potes, tu vois. Quand je vais leur raconter ça, ils vont jamais me croire. C'est terrible. Est-ce que ça te dirait qu'on freine cette conversation un petit peu plus tard Ouais, non, franchement. Ouais, ça te tente quand même. Allez. T'as retenu mon prénom? Julien. T'as des origines, t'as très jolis yeux. Est-ce que, alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je sors mon téléphone, je m'enflamme carrément là. Comment fait-on si on veut continuer cette conversation à un autre moment? C'est trop bizarre. Est-ce que je te donne mon numéro? Tu me donnes ton numéro? Comment on fait? Je te donne mon numéro. Ok, carrément. Ou un simple. Alors, j'utilise pas les réseaux. Ok, bon. Bah. Raconte pas ça à tes copines en te moquant de moi, s'il te plaît. Hein. Quoi? C'est trop tard, tu vas le faire? Y a pas de souci, madame. Arrête, oui, on a compris, c'était bizarre. Je t'écoute. Pardon, 06. Parfait, ouais. je t'envoie un petit message. Tu... C'est terrible, je sais même plus quoi dire. Je te dis une excellente fin de soirée. Et puis je t'envoie un petit texto, donc okay. Ça roule, ciao ciao. Putain, il y a des meufs partout là, c'est incroyable. Même là, il y a deux meufs qui viennent passer à l'instant là. Bien. Bonjour monsieur. C'est marrant. Très drôle. Prendre la pause au début, tac tac. Bah oui. Faut pas se rendre au sérieux. Montrer un peu de gêne. C'était, moi je trouvais ça un peu mignon, c'est mignon. Authentique, elle était très jolie. Vraiment très belle. On dit, hein, les filles les plus belles, souvent c'est les plus cool. Tu tournes un petit peu autour du pot, encore une fois, beaucoup de sourires, mais en même temps, elle était aussi dans le même état d'esprit, donc ça allait. Ouais. Mais tous les deux, j'ai surjoué un petit peu, nous étions tous les deux comme ça. Ouais, bah oui, bien sûr, carrément. Comme ça. Et donc, voilà, c'est mignon, c'est machin, mais voilà, après, elle dit, ah, carrément, je sais pas ce qu'elle a dit pour se revoir, ouais, avec plaisir, carrément. Donc très bien. Pourtant, ça n'a pas duré super longtemps, mais pour moi, c'est un numéro qui a l'air plutôt solide. Parce qu'il y a eu de l'émotion, c'est ça qu'on veut. On veut de l'émotion. Voilà, comment tu te sens? Je me sens, alors, bien mieux qu'en début de. En début de session, et finalement faut juste pas se prendre la tête et pas se mettre de barrière et ça vient, faut être naturel. Et c'est cool, en vrai ça donne une bonne émotion, plein de bonnes ondes. C'est l'avantage, parce que bon, toi tu fais ça tard, tu dis t'as 30 ans. Mais l'avantage, c'est que tu rattrapes le temps parce que justement t'as une vie, t'as eu une vie avant, t'as plus de maturité, tu t'exprimes très bien, t'as de la culture parce que t'as vécu plus de choses que si t'avais 20 ans. Donc forcément, tu vas être plus intéressant. Et donc, le pourcentage de réussite, il est plus élevé que si tu avais fait la même chose à 20 ans. Donc, new life. New life, exactement. Ok, retour au bercail. Alors? Je me sens vraiment bien. J'ai vraiment kiffé faire ça. Et je pense que je vais recommencer. Il y a de très fortes chances. Est-ce que tu t'attendais à ça? Est-ce que pour toi, c'est plus difficile, plus facile? C'est plus facile que ce qu'on peut penser. Ouais. Carrément. En vrai, pour en avoir déjà parlé avec des potes, etc., tu sais, on se dit toujours ouais, tu vas y aller, mais tu vas te faire recal, un peu la honte, et puis il y a les gens qui regardent. Et en fait, pas du tout. Personne ne regarde, personne ne calcule. Tu vas, t'es dans ton monde, et ça se passe très très bien, en fait. Ça se passe super bien. De mon point de vue, aller aborder, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Maintenant, venir combler et lui dire pourquoi tu viens l'aborder, ouais, ça c'est un petit peu plus compliqué pour moi. Donc, une fois que t'es en face d'elle, parler. Être créatif, là, c'est plus compliqué. C'est ça, être créatif, ouais. Après, ça dépend des filles, parce que si elles ont du répondant, ça donne un petit peu de matière, justement, tu peux rebondir dessus. Et dans le cas contraire, c'est à toi de te creuser les méninges, et ouais, c'est pas toujours facile. Le fait de passer à l'action, pour le coup, toi, c'est l'inverse, toi, tu trouves ça facile. Ouais. Parce qu'en général, c'est souvent l'inverse.
C'est, on a peur d'y aller, c'est le truc qui fait le plus peur, mais toi au final, une fois que ça s'est déclenché, tu t'es débloqué. Ouais, j'ai trouvé ça plutôt simple. Enfin, après, bon, je peux comprendre qu'il y a des gens qui aient un petit peu plus de mal, mais pour moi, vraiment, le fait de venir combler, de lui dire voilà, tu me plais, etc. Est-ce que ça te dirait qu'on se revoit, prendre le numéro, etc. Pour moi, ça, c'est la partie la plus compliquée. En tout cas, t'es plutôt bien ancré dans tes bottes, solide. Et ça, les filles, bah, forcément, c'est attirant. Donc, ça, c'était bien. Après, c'est vrai que des fois, c'était un petit peu trop question classique. T'étais pas en mode interrogatoire de police, mais c'était quand même un peu question simple. Après, tu rajoutais de la légèreté, t'étais souriant. Souvent, à la fin de tes phrases, tu rigolais, donc ça, c'est bien, pour montrer que t'es quelqu'un de sympathique, à bonne humeur, donc ça, c'était bien. Mais voilà, pour plus tard, les petites modifications à faire, c'est peut-être essayer de deviner des choses, être plus dans le jeu. D'ailleurs, tu l'as fait au début, bah, la première avec qui tu prends le contact, tu fais Shifumi. C'est vrai. Et là, viens, allez, on fait Shifumi. T'as dit, je vois qu'elle dit, ok, d'accord, ok, on va jouer. Et tu gagnes, donc ça c'est magique. Donc il faudrait qu'il y ait un peu plus de ça, même justement dans tes questions. On peut dire, ah oui, t'es de Paris, t'es d'ici, tu fais quoi dans la vie? Ça c'est pas fun, c'est pas marrant. C'est vrai. Tu dis, ah toi t'es pas parisienne toi. Toi ça se voit que t'es pas parisienne. Ah bah le sourire que tu m'as fait, c'est sûr que non. Ah bah t'es parisienne, ah d'accord, mais depuis tout le temps. Mais t'as un accent quand tu parles. Attends, laisse-moi deviner, je suis sûr que tu travailles dans... Ah toi tu dois travailler dans tel domaine. Ah bah si c'est sûr. En rigolant comme ça, ça c'est déjà c'est plus fun. En allant dans cette direction, tu vas encore plus gagner de points, ce sera plus fun et même toi tu vas t'amuser. Non, est-ce que tu veux passer un message à toi-même par exemple? À moi-même? À toi-même hier par exemple. Mec, t'aurais dû faire ça il y a déjà très longtemps. Et il y a tous les autres, faites-le. Arrêtez de flipper. Franchement faites-le. C'est pas la mer à boire au final. Pas du tout. Au contraire, on se dit putain mais. Non, au contraire, on prend plaisir, on prend plaisir. Et ça donne. Il y a du stress, le bon stress, l'adrénaline. C'est ça, c'est ça. On se sent de l'énergie, c'est ça, exact. Ça nous sort de notre quotidien, on se fait un peu chier comme ça, on sait pas quoi faire. J'ai un regret. Tout de même, j'aurais adoré avoir le contact de la gendarmerie. Ah oui, putain, j'avais même zappé, putain, il y a même ça, putain, j'avais même oublié tellement on a fait de trucs, putain. Même l'interaction était super sympa, elle était super souriante, elle était cool. Ah là, ça a été magique. Ouais. Ah oui. Donc top, maman, franchement, t'as bien. T'as fait ça en une petite après-midi, ouais, en quelques heures comme ça. Prends ton envol. Et tant mieux pour toi. Bah merci en tout cas, hein, grâce à toi, tout ça. Donc félicitations à toi. Merci. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez le signaler en éclatant le pouce bleu. Si vous voulez candidater comme Julien, m'envoyez un email. Je recherche également des filles en priorité, top priorité. D'accord ? Les filles, vous passez en binôme. Je vous mets avec un gars, comme ça c'est plus marrant, à deux. On alterne. Si vous voulez un coaching, vous voulez être débloqué, mais sans passer par YouTube, vous pouvez également me contacter. Sur ce, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche. Vidéo tous les dimanches à 11h. Live sur YouTube tous les dimanches à 22h. Et sur ce, je vous dis prenez soin de vous, à bientôt et ciao !